bloqué par des questions restées sans réponse. Le futur que nous réserve-t-il? Ce n'est pas après un album que l'on renonce à... Non, 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 non. Assassin, on n'est vraiment pas là. Chaque mot, chaque note résonne et résonnera. Au-dessus des lois, là où se trouvent les forces vives du prolétariat. Car l'on glisse aujourd'hui en l'honneur des droits de l'homme traduits par la liberté d'expression. Trop d'hommes, trop de femmes pourrissent en prison pour leurs idées à vocation humanitaire. Il n'est pas rare de finir nu entre quatre murs dans un régime totalitaire. L'absence de relations, aucune communication, les conditions de détention pour les révolutionnaires en action sont souvent dramatiques. Mais même si le corps est enfermé, l'esprit est en fuite. Parfois un poème suffit pour se faire enfermer à vie. Demande à Nguyen Xing Tien au Vietnam, il en a écrit des tonnes. 30 ans de prison devraient certainement suffire pour oublier plusieurs tomes. La foi en ses idées permet de subir les pires tortures, enfin il paraît. Certains sont morts, tous les ont brisés pour une idée sur un papier. Où le droit s'arrête, où le droit commence. L'encre coule pour les honneurs, mais trop souvent c'est la sentence. En Chine, les étudiants de la place Tiananmen se sont fait assassiner, même sentence au Vietnam pour un poème. En Syrie, au Maroc, au Malawi, tu critiques ton gouvernement, en prison tu pourris. Au Nigeria, tu voles, c'est la mort. Même sentence en Iran si tu dis que le pouvoir a tort. J'écris contre l'oubli, mais ça ne reste qu'une chanson. En France, la justice est une chienne. Aux États-Unis, les Indiens sont parqués comme des hyènes. Je crie contre l'oubli, mais ça ne reste qu'une chanson. Assassin garde sa position consciente. Trop de prisonniers politiques sont enfermés dans l'attente d'être jugés. Donnons pas cette chance, ils se sont fait shooter pour leur liberté. Comme j'ai le droit, comme la loi soutiens cette fois, je parle, je parle, je marche, je marche, je transforme mes larmes en rime, en texte, en musique tranchante comme une lame. Pour les hommes, les femmes enfermées pour leurs idées. Chaque nation a ses moyens de répression pour stopper net les courants qui alertent notre intellect. Une plume qui vacille sur le papier, peut-être plus dangereuse que n'importe quelle armée. Car les balles se perdent dans l'histoire, mais les aiguilles restent. Voilà pourquoi on traque l'esprit qui ne retourne pas sa veste. Aucun système n'est invincible, au même titre que l'homme qui s'élève et devient une cible. Mais même au milieu des montagnes, l'aigle prend son envol mais garde sa vision des races campagnes. L'émanation, l'émanation des mouvements contestataires m'amène à penser que la crise est une chose positive. Elle plonge l'ordre dans le désordre de façon active, afin de trouver des solutions. Obéir à une doctrine ne peut que découler sur une révolution. Oh, yeah. À l'être humain de parler, la souffrance a toujours été un océan de créativité. Où le droit s'arrête, où le droit s'arrête, où le droit commence. L'encre coule pour les honneurs, mais trop souvent c'est la sentence. En Chine, les étudiants de la place Tiananmen se sont fait assassiner, même sentence au Vietnam pour un poème. En Syrie, au Maroc, au Malawi, tu critiques ton gouvernement, en prison tu pourris. Au Nigeria, tu voles, c'est la mort. Même sentence en Iran si tu dis que le pouvoir a tort. C'est la liberté d'expression. J'écris contre l'oubli, mais ça ne reste qu'une chanson. L'Angleterre a des prisons remplies d'Irlandais. Les prisonniers politiques pullulent dans les cachots de la cité. C'est la liberté d'expression. J'écris contre l'oubli, mais ça ne reste qu'une chanson. Ça ne reste qu'une chanson, mais le flow de la musique se rappelle d'où il est mal et pour qui il s'agite. Voilà pourquoi Albert
sera la prochaine victime.